Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie du Dr. Frank pour un nouvel épisode de Bomber Crew. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à cette arme secrète. Enfin! Enfin! L'arme secrète depuis le temps. Depuis le temps. Début de mission, s'il vous plaît. Tout de suite. Et tout de suite, l'arme secrète. Et je crois que j'ai pas sélectionné de mon truc. C'est genre, j'ai pas eu d'avertissement. Si, détruire l'usine, ça doit être ça. Avec un petit fond de Noël, t'as vu? Voilà, on est à fond, paf, décollage. Hop, on se penche. On va à fond. Ok. Basse altitude atteinte. Je vais monter bien plus haut, mais j'ai peur que dès qu'il va y avoir une petite couche de brume vite fait, il va plus rien voir. Et il neige, donc oui, donc c'est mort. C'est mort, c'est mort, et je sais même plus où on va, j'ai pas regardé. Bon, bon, en France, visiblement, en Belgique. En Belgique. Il peut faire froid dans ces tempêtes de neige, j'espère que vos gars sont au chaud. Ça a l'air de rouler mes poules, non? Non? Ça a l'air de rouler mes poulets? Ah! On a des clients. Alors on n'est pas censé aller très loin, donc je pense que je vais tout de suite récupérer Scott et lui demander d'aller bosser un peu quoi, parce qu'on ne va jamais c'est lui faire monter ses niveaux d'artilleur, c'est très bien. Si je peux avoir tout le monde avec des canons incendiaires et tout ça, enfin des munitions incendiaires. Voilà, après moi je suis heureux. Hein. Je suis un homme simple. Concentration pour toi, concentration pour toi. Détruisez pour ça. Très bien, go recharger, go recharger. Allez les poulets, on se bouscule. Bousculez-vous un peu. La radio s'il vous plaît. Ah, par contre vous auriez peut-être pu prévenir de ça. On va prendre du mauvais flak. Est-ce qu'il y a une bonne manière de prendre du bon flak? C'est ça la vraie question que se posent les gens. Bon, vous êtes prêts à saucer les deux canons là, les deux canons craqués? On va être en plein dedans, on va être en plein dans le flak. Attendez deux secondes, je suis en train de cacher ma joie. Est-ce qu'on peut avoir un peu de... Est-ce qu'on peut avoir un peu de vitesse pour sortir de là le plus vite possible et éviter de traîner là-dedans? Ça serait sympa. Adversaire qui saute dans le flak aussi. Concentration ma poule. Incendiaire s'il te plaît. On voit la sauce là-dessus, Bardi ou pas. Jolie strass. Je sais pas si tu l'as touché ma gueule, mais jolie strass ma poule. Ok, on va redescendre, on va redescendre. On descend monsieur. On plonge pour le cas. Allez, on plonge. Hop, ma poule. Non, c'est pas toi, c'est Duncan qu'on veut. Duncan, normalement, t'es à la radio, s'il te plaît. Duncan, s'il te plaît, une fois. Merci, Duncan. On recharge et on recharge, s'il vous plaît, messieurs. Ok, on sait qu'on a une petite photo sur le côté. Donc, ça, c'est la fameuse usine en question à détruire. Right, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien prendre position? Merci, la grosse bombe, ouvrir les portes. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous avons toute notre vie nous a mené jusqu'ici. Ah, j'ai oublié de vous filer votre peinture d'ailleurs, les mecs. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mince, mince, voici le dernier expérimenté. Hein, ils sont armés de canons de 20 mm. Viens, ferme les portes. De quoi? Ah, non, c'est pas bon ça. Marquage auto, s'il te plaît, ma poule. Arrête de déconner, mec. On va prendre une photo. Ouais, tu restes à ta position, on dit que c'est valide. Bon, on va bouger, on va prendre tous les artilleurs qu'on a. On va prendre tout le monde. Allez, vas-y, balance, 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 balance. Mec, t'es comment en munitions? T'es encore valable? C'est encore valable? Ok, right, bon. Là, tu peux reprendre ta pose. Vas-y, pas de soucis. Prends ta position. Mec, vous allez les abattre ces trucs? C'est juste des avions quoi. Mec, Bert, s'il te plaît. Bert, s'il te plaît. Faire des passes, on va faire des passes. On va laisser tomber la photo tant que je suis pas convaincu de leur état de mort. Leur état de mort avancé. D'accord, très bien. Recharge, t'es à sec. Recharge aussi, t'es à sec.
Ok. Concentration s'il te plaît. Tac, concentration s'il te plaît. Essaye de les obliger à prendre le large un peu. Vite de la mule. Vite de la munition. Ouais, j'ai besoin que tu récupères ta concentration là. Très rapidement là. Très rapidement. Ok, Hutch. Hutchies, t'as déjà plus de munitions, gros, mais va recharger quoi. Ah, mais par pitié quoi, arrêtez de vider vos munitions n'importe où et n'importe comment. N'importe quand pour n'importe quel. Mais non, vous êtes sérieux, mais c'est quoi tous ces avions? Que des avions expérimentaux là, comme ça vraiment? Merci, va te faire foutre. À un moment donné, voilà, je vais te faire foutre en fait. Les gars, il faut un point là. Il fait quoi le mec à la carte? Martoni, arrête de déconner là. Ramène-nous en arrière là. Je sais pas où tu nous amènes, mais il a l'air d'y avoir d'autres tirs de barrage là. Un tir de barrage. Fumier va. Fumier, c'est ton seul poumon, t'as que ça à foutre. Là, tu plaisantes là. Oh là là. Sors de l'incendiaire là, s'il te plaît. Concentration. Jess, il faut que tu sois concentré, Jess, s'il te plaît. Mais l'autre derrière, il est toujours pas crevé là. Mais t'es pas sérieux? Il va repasser là. Jess va te recharger, tu sers à rien, t'es à vide. Scott va recharger, t'es à vide. Il en reste un là. Un ou deux. Franchement, ça gère les mecs. Hein. Ok, c'est bien, je suis très content de vous. Recharge, recharge. Burt part en soin tout de suite, le temps que ça se fasse. Right. Ok, tu prends ta position, on va prendre d'autres photos. On s'était promis cette photo ou pas? On va se prendre cette photo. Petit sourire les amis. Des bisous, tout ça, tout ça. On est bon. En vrai, je pensais avoir pris très cher, mais quand je regarde l'avion sur la droite, là, le petit avion à droite, en vrai, ça va. Hein. En vrai, ça va. Autre chose, monsieur, pas d'autres infos. Je pense qu'il faut monter. Je pense qu'il faut monter. Monte. Monte. Scott, je voudrais que tu sortes de là. Je voudrais que tu ailles te soigner parce que tu fais vraiment la gueule. La radio, s'il te plaît. Est-ce que tu as quelque chose à annoncer? Cartman, si tu branles, Cartman, donne-nous des infos. Ok, tu peux aller par là. On prend l'info, on prend l'info. On y va, on y va. Par contre, si tu pouvais éviter de nous faire survoler des zones de flaque. Je t'aimerais beaucoup. Connard. C'est un petit connard. Pour leur rappeler leur situation. Jizz est dans un sale état. J'aimerais pas que voilà, il prenne un mauvais obus. Il va se le prendre, il va se le prendre. Il va finir par terre. J'aime pas ça. Tout ça. Ça tient. Ça tient, ça tient. Une moyenne atteinte, normalement c'est bon, on est un peu hors... Non, non, on se les prend tous là. On est en plein dedans en fait. Il faut pas être en haute altitude non plus, mais va mourir. Et récupérer, tu retournes à ton poste. Très bien, Edges, tu... Hein, voilà, superbe. Le mec à la carte là, 6% de sol, 0% d'étoiles. Hein? On est passé haut. Ben, on survolera ça d'abord. Je crois qu'on est au-dessus. On est peut-être pas tout à fait au-dessus. On monte encore. Oh merde, putain. Hutchie, j'ai besoin de toi à ton poste. Ah, je suis désolé, j'ai besoin de toi ici. Et on a réussi à l'avoir avec même 6% de sol. Ah, 60% de ciel, c'est bon. Ok, on était pas mal en vrai. On était pas mal. Est-ce que tu veux bien retourner à ton poste d'artilleur, s'il te plaît? Voilà, concentration. Ouvrez la sauce, ouvrez la sauce. Ouvrez tous la sauce. Comme si la sauce... Quoi? Quoi? Non mais vous êtes sérieux, les mecs, ils te piquent dessus, ils prennent la sauce, ils s'en foutent, quoi. Envoie tout ce que t'as, arrête de... Mais tire. Mec, j'ai besoin que tu viennes ici, dépêche-toi. Dépêche-toi. Éteins-moi ce moteur. Transfère le fuel à gauche.
Ok. Allez, ça va s'éteindre, ça va s'éteindre. Tu t'éteins. Ok, retransfert du fuel. Ça suffira pour ce qu'on a à faire. Retourne ici. Les mecs sont en train de se les geler. Il faut qu'on redescende en moyen. On va par là. Et il y a des mecs à droite qui ont été confirmés. Jeez, recharger s'il te plaît. T'es où toi? Ouais, recharge. Bon, t'as pas grand chose à recharger. Mais attends, il y a des mecs, j'ai pas chopé là. Ok, la mission secrète c'était pas une très bonne idée visiblement. J'ai un moteur qui fait un petit peu la gueule. Marquage auto, reconnaissance s'il vous plaît. What? Pourquoi c'est le mec des cartes qui prend des obus? Oh là là. Le mec de la radio s'il vous plaît, tu vas au gasoil tout de suite. Fonce mon gars, fonce ma poule. Il nous faut un boost, il nous faut de la vitesse. Il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on se dirige. Et on est en Angleterre les gars, pourquoi on se fait encore tirer dessus? Vrille. On descend, vrille. Vrille ma poule. On va en bas, on plonge. En bas, qu'est-ce que nous dit la carte? Mec, tu devrais commencer à reconnaître le sol là. On est où là? On est en Moldavie orientale? On est en Angleterre, mec. On est en Angleterre, pourquoi on se fait retirer dessus en Angleterre? Ils sont allés jusqu'à la frontière. Waouh, ce qu'ils nous ont mis. Ok, c'est bon, on s'en est sorti. Encore prendre ton poste, Duncan. Faire pareil, Scott. Scott, prends ton poste. Ah putain. Ouais, est-ce qu'on économise un peu de carburant? J'ai dû rater quelque chose d'évident puisque j'ai envoyé le mec des cartes me faire soigner, évidemment. Et on a passé l'aérodrome, bien sûr. On est passé juste au-dessus, quoi. Ça, je trouve ça un peu dommage que. Voilà, le pilote le voit finalement, mais non, c'est pas le mec des cartes. Enfin, tout le monde le voit, quoi. Il suffit de mettre le nez dehors et on le voit. Ici. Joyeux Noël, les enfants, joyeux Noël! On fait un beau de Noël. Oh, la douleur du truc, quoi. J'ai souffert pour vous et pour vos péchés, ne l'oubliez jamais. Est-ce que ça a rapporté Ah bah non, parce que du coup c'était pas la mission secrète, c'était une mission random. J'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai choisi comme mission, j'en sais rien. Mais on a ramené de l'incendiaire, du défensif, c'est cool. C'est marrant, le bouton pour passer c'est le même que... Bref. On s'en fout, tout le monde s'en fout. Vous en foutez, évidemment. Évidemment. Des choses et des machins, à n'en point douter. Avion. Ouf. Livrée de nouvelles peintures. Alors. Je vous l'avais promis. Je l'avais promis à mon crew. Install. J'avais promis à mon coup que voilà, si jamais ça arrivait, c'était promis. chose due, hein, je pense. Je pense qu'avec une situation comme ça, vous méritez des petits ronds sur les ailes. Hein. Ou un as de pique carrément. Ouais, non, les petits ronds, parce que j'aurais voulu vraiment un as de pique, quoi. Étoile, la boule. Le 5 personnalisé. Ah, l'étoile, c'est le swag. Allez, et vous avez votre petite étoile américaine là, voilà, c'est la grande classe. Après, il faudra faire plus de missions pour mériter plus de graffiti, bien sûr. Plus de tags sur votre bousingue. Tous mes moteurs sont M4-4, c'est pas mal, Bien qu'à 12 000, on va redébloquer du nouveau matos. Je pense qu'on peut être content de là où nous en sommes. C'est pas intéressant ça. Ça c'est vraiment pour si ça tourne mal, ce qui est pas une mauvaise chose, parce que quand ça tourne mal on a vraiment l'air qu'on peut en avoir.
Est-ce qu'on en MK3 partout? Blindé, MK3, MK3 partout. La survie, on a le pigeon. Dériveur pneumatique, ça coûte cher, mais bon, voilà, c'est là maintenant. Hein. Et là, on a plus de sous pour ça. Très bien. Est-ce qu'on peut aller au briefing, s'il vous plaît? Est-ce que c'était bien la mission secrète? C'était bien la mission secrète. Oh là 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 là. Incroyable, hein. Incroyable. C'était beau. C'était très beau. Je suis très content. Par contre, ça, c'était une mission déjà verte. Genre, c'est facile. Ah, lol. Et genre, là, c'est marqué que c'est pas facile. Et pilote de chasse ennemi dans la zone. Ah oui, c'est pour ça. C'est peut-être pour ça. Ouais, c'est peut-être pour ça, ouais. Donc, on va partir là-dessus. On va tuer quelqu'un encore. Qu'est-ce qu'on va tuer, monsieur? On peut savoir. C'est qui le prochain qu'on tue? C'est Bruno. Bruno Brennen. Je l'ai pas marqué énormément. Je vais pas dire que t'es facile à tuer parce que c'est un coup à m'en mordre les doigts, mais. Mais je pense qu'on peut débuter notre mission sans être serein. Disons qu'on n'est pas. On va pas à l'abattoir là. Parce qu'on sait qu'on est à proximité. Ok, mon grand. Est-ce que tu peux me charger les fournitures là-dedans? Magnifique, mon poulet. Tu peux monter ici. Tac, on sort de la vue de là. Pouf. Est-ce qu'on peut voir là-bas? Pilote, tu restes sur ton fauteuil et tu décolles. Apprends les manettes, s'il vous plaît. On verrouille le deuxième. Paf, on se penche. Allez, c'est parti. Le reporter crew. Équipé comme un avion de guerre. Marqué comme un avion de guerre. Attention, hein, on fait des vraies missions secrètes, on est des dingues. Hein. On est vraiment des dingues, hein. On est des fous. Ceci dit, j'aurais dû prendre l'avion en alu, en vrai, enfin en chrome, peu importe. Pour la très simple et très bonne raison que politiquement, enfin, si on est des reporters de guerre, avoir un avion aux couleurs civiles quelque part, c'est ce qu'il y a de plus. C'est ce qu'il y a de plus, on va dire, passe-partout. Alors que bon, là. Bon, là, ils savent qu'on a des canons, quoi. C'est ça la différence. Oui, tu viens ici, Scott, puisque notre ami. Nettoyer la zone des ennemis. Ok, très bien. Je veux de la concentration ici et de la concentration là, s'il vous plaît. Canon avant. Canon avant, tu te prépares en fait à lourder tes munitions. On va ouvrir. On va demander à la radio de faire son travail, s'il vous plaît. On fait un petit backdash. Ça s'est très bien passé. Hein. Allez, le canon MK20, en fait, c'était ça le secret du jeu. C'était le secret que je ne connaissais pas. Le secret, c'était le canon MK20. Marquage automatique, s'il te plaît. Pendant que nous, on s'occupe de lourder des munitions à Billy. Enfin, des munitions. Ouais, parce que bon, il est là pour faire la guerre, le mec, avant. Quoi. Pour faire la guerre. Ah, ouais. On va voir ici, là. Je suis sûr qu'il y a une photo à arracher quelque part. Il va y avoir une photo à tirer. Et ici. Petit crochet pour des raisons évidemment politiques. Alors, recharge. Super poulet, tu peux revenir ici. Recharge mon grand. Oh, il a rien fait quoi. Je sais même pas s'il nous a mis une balle. Il nous a mis une balle le con. Ah, photo. La petite photo. Bon, c'est un peu dommage, toutes les missions se ressemblent. Alors, pas tu te diras, oui, les villes ne changent pas forcément en France. Mais essayer de prendre un petit convoi, peut-être, je sais pas, une petite voiture, un petit camp arrêté quelque part, tu vois, un convoi, un machin, un champ, pour voir des tanks. Bah, ça aurait été rigolo, quoi. Enfin, juste légèrement modifié l'intérieur du jeu qui consiste juste à faire clic-clac sur à chaque fois les mêmes bases, tout le temps, quoi. Parce que du coup, c'est les mêmes bases, donc la reconnaissance, oui. C'est une reconnaissance qui n'est pas constructive, c'est-à-dire une mission et une autre, la reconnaissance c'est la même. Alors lui, ça fait combien de fois que je le prends en photo quoi? Ton bunker là, ça fait. Ton bunker, on
plus qu'à une tête de terrain de baseball. Bonne journée les losers, hein, parce qu'on va vous ouvrir en dehors. Allez. On ralentit, on attend les gens derrière. On attend, on se concentre s'il vous plaît. Faites concentration sur ce que vous faites. Soyez à ce que vous faites, messieurs. Ah, on a pris des balles. What? Les bâtards, ils ont rayé la peinture? Oh les bâtards! Le chef, il a gueulé. Hein. Il va dire, je vous offre une nouvelle peinture, les mecs, vous l'avez déjà rayé. Non mais Scott, qu'est-ce que vous foutez de votre journée? C'est toujours le même qui bouffe tout. C'est génial. C'est formidable. Oui, je rigole à des blagues de merde que j'ai fait moi-même. Et alors? C'est vraiment des gens médicaments. Exécrable, certains diraient même. C'est appréciable de pas avoir le cul au frère. Ah, cool. D'ailleurs, on est là comme ça, au calme, genre la vie elle est cool. Elle est pas si cool que ça la vie, faites gaffe hein. Ouais. Bah, y'a plus rien à faire hein. Yes. Ah, c'est pour ça qu'on s'est emmerdé, j'avais fait se pencher, pas de boost. Ah oui, se pencher, on en ralentissait pour les attendre, mais je suis couillon. Des fois, moi je suis pas bien malin. Hein. Un petit accélérateur. Ton carburant. C'est fait pour être jeté par les fenêtres, ton carburant, qu'est-ce que tu crois? Pas là pour la collection des aiguilles de carburant. Et voilà. Et on met un coup de pouce là-dedans. Allez, sort ton train d'atterrissage toi. Et arrête de bugger là, c'est bon, t'es aligné. Allez, allez, pose-toi. Pas de crash, calme-toi. Bah oui. Pas un mec blessé. Un peu de rayure sur une aile ou deux. Fais gaffe, il y a une tour de contrôle là-bas quand même, faudrait pas te la prendre. T'as déjà arraché un plot là, en gros. Calme-toi. Calme-toi, Denis. Ok, formidable. Nice. Et Bruno est mort. Est-ce qu'il nous fait rentrer 5000 thunes de plus? La petite photo que je suis allé chercher. Ah, ça fait 10 000. Ça fait 10 000 de bonus sur une mission qui, normalement, t'en rapporte que 2000. Bah, 2000, voilà. C'est rigolo. C'est très rigolo. C'est très rigolo tant que je suis pas mort. Attention, hein. Dès que je vais mourir, ça sera beaucoup moins drôle. On va quand même bien moins se marrer. Hein. Croyez-moi bien. Paf, donc rien de plus, hein. Rien de plus. Et équipement de l'équipage, à première vue, vous voulez que je vois un truc, les gars, mais j'ai l'impression que de toute façon, là, plus rien ne va évoluer. C'est oxygène, ouais, on est sur les bouteilles avancées, machin, etc. Pour l'instant, je suis pas intéressé à vous renforcer ou vous blinder. Je préfère tout mettre dans le. Dans l'engin qui va bien. Dans le truc qui vous transporte tous en fait. Et c'est quoi ton problème à toi? C'est que t'as ton propre équipement de. Ouais, c'est ça, ouais, ton propre truc de. Ouais, t'as tes presets aussi qui t'appartiennent, évidemment. Par contre, vous êtes tous vêtus de bleu. Vous êtes comme la royale. Donc, moi je pense qu'une full combinaison noire. Voilà. Voilà, vous êtes tous en noir de base maintenant. Bravo à vous! Au lieu d'être en bleu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout cela sont en bleu? Stock de munitions. Dégâts des ennemis réduits de 50%. C'est pas inintéressant. Blindage ennemi réduit. À l'aérodrome de Beauvais. Ah non, mais là c'est mon terre-terre, ou presque, hein, puisque c'est plus le terre du 60, mais. Ça commence à être mon terre-terre, là je commence à me sentir concerné. Écoutez, on sera ça dans un prochain épisode. On peut essayer de voir si on peut acheter un truc ou deux sur l'avion, hein, ceci dit, parce que bon, maintenant, maintenant qu'on est complètement fait et refait, on va pas se mentir, pourquoi finalement se priver, par exemple, de gonfler tout bêtement. Alors, est-ce que là, on a tout? Ouais, ça j'ai pas trop traîné, hein. Ça on sent que le mec a pas trop traîné. Non, là on va se gonfler le matos. Le portique A3. Paf. Tac, tac, tac.
pas de parachute, ma gueule. Je vais te faire rajouter. Rajouter deux emplacements. Ouais, des parachutes, ça me va. Hop. À l'avant. À l'avant, admettons. Part sur un parachute. Installe tout le bordel. Tac. Et tac. Milieu. Avant. Ok. Arrière. Alors là, on a que du soin. Soin extincteur. Ah, c'est ici que j'ai merdé. Tac, soin 1. Oui, comme ça si tu veux. En fait, j'avoue, je m'en fous. D'ailleurs, je devrais faire pareil. Le même modèle. Le même modèle, on fait des trucs jolis. Incroyable, on a des tugs. Voilà, c'est parfait. Ouais, ça, c'est pas mal. Donc là, on a en extincteur soin. Et on passe sur le troisième. On installe extincteur et du soin. Ça nous fait combien de parachutes? 1. 2. Où est-ce que j'ai merdé là? Où est-ce que mon cerveau il s'est dit c'est une bonne idée? Voilà, c'est là. Voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4. 4 parachutes, j'en claque un ici. Ça me fait 1, 2, 3, 4 soins à bord. Parce que ça aussi c'est important. 5 soins à bord. Je peux quasiment relever tout l'équipage. Plus ça sert à rien. De toute façon, au-delà de 6, ça sert plus à rien. Puisqu'à un moment donné, il faut un mec pour relever tous les autres. Hein, donc, ça sert à rien. Elle a 2 extincteurs à bord. Je pense qu'on est très bien. On est situé à l'avant, là où ça peut prendre incendie. Et vers les panneaux et autres outils. Donc, c'est là où on est le plus utile. Ici, ça pourrait être utile aussi. Mais bon, on est juste à côté de la porte. Donc, j'ai mis. J'ai carrément mis tous les parachutes. Parachutes, on en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 parachutes. On a 5 soins, 5 parachutes. Ouais, en même temps, ça me va largement parce que je suis plus enclin à utiliser du soin qu'à abandonner le navire. Tu vois. Donc, à un moment donné, voilà, faut être aussi logique avec soi-même. Je suis pas du genre à penser à quitter le navire, donc du genre à couler avec parce que j'y pense pas. Ne serait-ce que parce que j'y pense pas en fait. Et après, être vénère parce que bah, tout le monde est mort. Donc on est pas mal. On est pas mal. Et puis bon, on se voit la prochaine fois hein, probablement pour descendre encore un autre race, non? Non, on a dit qu'on allait ici à l'aéroport. Déjà ce qu'on va on va gagner un avantage tactique conséquent. Merrick Jaeger. Merrick Jaeger de mémoire je lui ai passé dessus sans mon. Lui il m'a posé des problèmes là. Kaspar von Knall, j'ai mis des années à le tuer. Lui il est passé, il est mort. Je sais plus comment ça s'est passé. Mais il est passé, c'est sûr. Sûr qu'il est passé. Ouais. Ou alors, bien sûr, tiens, une petite usine de moteur. Genre en scred, je fais ça dans mon coin en scred. C'est toujours de l'argent facile. C'est peu d'argent facile, mais c'est toujours de l'argent facile. Et là, on a bonus sur des vraies missions après. Donc, je risque de prendre l'aérodrome de Beauvais. Je vous remercie, c'était que ma fonction, comme d'habitude, gaming, pour Bomber Crew. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao.